Alors le millésime 2013 a été plus difficile que les autres années, tout simplement parce que le climat a été très pluvieux. Donc au niveau végétatif, on a eu pas mal de soucis à la vigne, notamment que la vigne ne s'est jamais arrêtée de pousser. On n'a pas eu du tout de stress hydrique. On a eu seulement au mois de juillet 3 semaines à peu près belles, qui ont été bonnes pour les raisins, parce que cela a permis de cramer les pyrazines. Donc il n'y a pas du tout de goût de végétal dans les vins. Ensuite, les vendanges ont également été difficiles, comme la pluie était toujours présente. Nous avons dû vendanger beaucoup plus tôt que d'habitude, car le pourri commençait à s'installer. Mais nous avons été très réactifs. Nous avons ramassé l'ensemble des propriétés en quasiment 10 jours. Un raisin qui a été à peu près sain. Et ensuite, au niveau vinification, nous avons énormément adapté les vinifications, surtout dans les temps de cuvaison et les modes d'extraction, c'est-à-dire des extractions très douces pour garder le fruit, vu qu'il n'y avait pas grosse matière dans les raisins, et après des cuvaisons de 2-3 semaines. Voilà ce que je peux dire sur le vin.